Oh oh oh! Dans une vidéo spéciale du mois de décembre. J'espère que toutes les vidéos que je vous prépare pour ce mois-ci vous plairont. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sûrement vu, hier il n'y a pas eu de vlogmas puisque vous l'entendez à ma voix, je suis malade, Liana est malade, Léna est malade. On a encore, comment vous dire, je sais pas comment vous dire, mais vomito à table, à midi, on adore. J'ai Liana qui a percé bien ses deux dents d'en haut, mais à la roséole. Voilà, donc on a su pourquoi elle avait tant de fièvre entre les dents et la roséole, on adore. Donc hier, on a quand même bougé. Puisqu'il fallait faire les courses de Noël, du coup j'ai acheté tout ce qui était les boissons, puisqu'on est censé faire quelque chose le 25 au soir peut-être avec ma mère. Donc j'ai mis ici tous les toasts de partout, tout ce qui est saumon, tarama, tout ça, puisque on est invité, comme je vous ai dit, deux repas, et normalement le 25 au soir on est censé faire quelque chose à la maison. Ça va être compromis puisque ma mère veut qu'on vienne mais moi je peux pas. Voilà, on va déjà bouger 24 plus le 25, donc non, clairement tant pis. Donc je ne sais pas comment on va faire. Voilà, on adore. Donc hier on a bougé, j'ai fini les achats d'ailleurs. Je vais vous montrer, j'ai reçu. Il va falloir qu'on pousse les murs, clairement, parce que regardez. Du coup, j'ai changé le billard, je l'ai mis dans ce sens. Et le coin des petites, voilà, a été agrandi énormément. J'ai reçu ce tapis en mousse. Et du coup, j'ai mis la table allongée ici, voilà. Et franchement, c'est top. Mais ça fait un sacré coin, je vous voyais. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est juste énorme. Énorme, même je crois qu'une nounou n'a pas autant de terrain de jeu pour les enfants. Voilà, bref, allez hop. Et j'étais censée vous montrer quelque chose aujourd'hui, mais vu ma tête, hein, vous savez quoi, je vous le présenterai demain. Parce que ça le fait pas. Là, je vais remettre ma montre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez aperçu, hier, j'ai refait mes ongles. Puisque... on voulait changer avec Chloé, je les ai fait extrêmement longs. Vous voyez, et ils sont pailletés. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, pas gaffe, je me suis fait mal à mon doigt. Ils sont tout pailletés, voilà. Donc, on a refait mes ongles. Mais juste avant, du coup, je voulais vous montrer, puisque je vous avais dit que j'avais reçu des petits cadeaux de mes collaborateurs. Donc déjà de Havaïmé, j'ai reçu cette petite carte donc écrite à la main, c'est ce que je vous avais dit, franchement ça fait super plaisir. Et Nox m'a envoyé également, donc hop Nox ici, voilà, m'a envoyé une lettre qui fait vraiment très 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 plaisir. D'ailleurs je leur ai vraiment remercié. Et du coup ils m'ont offert un sac à main comme ceci. Donc pour les fêtes, vous ne le voyez pas ici, mais ça va être trop canon, voilà, trop joli. Ils n'étaient pas obligés, donc franchement ça m'a fait super plaisir. Ils m'ont offert une écharpe, voilà, une grande écharpe. Alors attendez, je vais l'ouvrir, Pour le bruit, alors je vais aller la mettre à laver et je vais la mettre, elle est trop canon. De toute façon c'est les couleurs que j'adore. Non, elle est comme ça, franchement, elle est très très grande. Est-ce que vous voyez par rapport à moi? Hop, elle est vraiment très très grande. J'adore, je la trouve trop canon. Voilà, très contente. Et en plus de ça, ils m'ont mis un parfum. Donc c'est le Narciso Rodriguez. Donc c'est le 25-24. Il sent trop bon. Je le kiffe vraiment. Donc c'est celui-ci d'ailleurs, je vais m'en mettre. Hop, et il va aller tout droit. Hop. Dans ma chambre, alors le Narciso Rodriguez, celui que j'avais eu, je crois que je l'avais offert à ma belle-mère, je crois bien. Donc du coup là j'en ai un nouveau, donc à travers cette vidéo je les remercie encore infiniment. Ok, des collaborations c'est très très bien comme je vous l'avais dit, mais quand vous recevez des cadeaux surprises pour Noël, ça fait super plaisir. Et la petite carte de Havaïmé, j'étais trop contente. Et à la base je devais vous faire un haul Shane, mais j'ai pas envie, voilà. Donc je vais vous montrer ici. Du coup j'ai reçu tous les trucs que j'ai pris pour l'anniversaire des petits. Donc l'anniversaire c'est le thème arc-en-ciel. Donc j'ai pris le 1 et le 2. J'ai pris la guirlande pareil dans ces coloris là. Hop ici. Donc happy birthday. J'ai pris 30 assiettes. Là c'est des lots de vin, donc j'en ai pris 2. Voilà, je vous montre ici, comme ça moi vous verrez. J'ai pris les gros ballons, mais de toute façon l'anniversaire des petites, moi je vais vous le filmer. Ici j'ai pris des grandes, elles font 137 par 274, il y a 5 pièces, c'est des nappes. Elles sont arc-en-ciel, je sais pas, enfin arc-en-ciel holographique.
Et pour terminer, je vais vous en montrer une, mais j'ai pris les robes arc-en-ciel pour les petits. Et après, tout le reste, c'est fait main que je vais faire. Parce que la semaine prochaine, j'ai du boulot. Regardez comme elles vont être trop belles, les filles. J'adore. D'ailleurs, Léna, quand je lui ai montré ça tout à l'heure à table, après qu'elle ait vomi, bien évidemment, elle a dit wow. Voilà, donc hop. Petites robes, elles sont trop canons. Voilà, et hier j'ai profité, vu que je suis allée racheter des rangements pour les petites, j'ai racheté des ballons et j'espère j'en aurai assez, autrement c'est pas grave, j'irai en reprendre. Voilà, allez, maintenant je vais vous montrer du coup. Alors, le 22, puisque hier ben, je ne l'ai pas ouvert, c'est une bougie carrée, je suis super contente. La Apple Strudel, ça sent trop bon. Alors, je sens... vraiment subtil, c'est vraiment subtil parce que j'ai tellement le nez bouché. Elle est trop trop bien celle-ci. J'essaye mais je suis tellement encombrée. Franchement, elle sent trop trop bon, mais celle-ci, moi je la connais. Et il n'y a plus que demain. Et après c'est terminé. Du moins pour le calendrier de la Baby. Et là c'est une bougie ronde. C'est la Norton Light. Celle-ci, je crois que je la connais. J'arrive pas à sentir. Elle sent, moi je sens vraiment, c'est subtil, mais c'est parce que j'ai le nez bouché. Donc du coup, petite bougie. Ah, et cette montre, j'ai la tâche qui fait que de partir. Et maintenant, je vais faire celui de Manon. Alors je vais ouvrir les deux. Donc le 22, je pense que c'est un masque, quelque chose comme ça. Peut-être pour les lèvres. C'est tout mou. En plus aujourd'hui, j'ai pas mis de vidéo en ligne. Ah ouais, c'est un masque. Alors celui-ci, je ne le connais pas. Je pense qu'il vient de chez Action. Mais celui-ci, je ne le connais pas. Et je sentais que c'était tout mou comme ça. Donc je me doutais que c'était un masque. Donc à la pêche ou à l'abricot? Je crois que c'est à l'abricot. Ouais, je crois que c'est à l'abricot. Mais vous savez quoi? Vu que l'autre, j'en ai plus. Parce que je l'ai fait. Et bien, je vais me le faire ce soir, juste avant le réveillon. Ça sera parfait. Et là, peut-être des chaussettes. Je sais pas. Ouais, peut-être des chaussettes, je sais pas. D'ailleurs, ah, je ne vous ai pas montré, j'ai mis les chaussettes qu'elle m'a offertes. Et oui, j'essaye de m'imprégner de Noël, mais je vous avoue, j'y suis pas trop. Non, ce n'est pas du tout des chaussettes. Alors, c'est quoi? C'est des gants exfoliants. Alors ça, j'en voulais il y a quelques temps et j'avais complètement zappé d'en prendre. Franchement, je suis super contente. Alors, attendez, je vais les ouvrir. Ça, pour la douche. Je pense qu'on peut s'en servir également... pour tout type de peau, on peut s'en servir pour le, je crois, pour le corps. Et il y en a deux. Oh, trop cool. Pour le corps et pour le visage. Dites-moi au cas où. Mais de toute façon, je vais lire derrière. Je vais lire... c'est peut-être que pour le corps, peut-être. Je vais regarder de plus près, mais alors je suis trop contente. Voilà. Franchement, Manon, elle a fait du sans faute. Et ça, ben, je vais tester aussi ce soir. Rincer, l'eau tiède et du savon. D'accord. Ben écoutez, je vais regarder ça et je vais tester. Donc, merci beaucoup, Manon. Et du coup, maintenant, je vais faire le calendrier de Betty. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas préparé. D'ailleurs, ce matin, on a fait plein de trucs avec Cédric. Il a ramassé les feuilles. Moi, j'ai commencé à plier tous les cartons parce que dehors, c'était vraiment carnage. Il y en avait de partout. Alors, le 22, un condensé de beauté. Alors, moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, je présume que c'est des produits de beauté. Voilà. Oh là là. En tout cas, c'est très bien emballé. J'arrive pas. C'est super bien emballé. J'arrive pas à voir du tout ce que c'est. Oh là là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Si vous voyez que je change de pièce, c'est tout à fait normal. C'est que là, pour l'instant, tout le monde est dans les chambres, tranquillement. Mais on ne sait jamais si j'ai quelqu'un qui vient m'interrompre. Alors, trop contente. Du œuf. Alors, je crois que c'est de... je pense que c'est du fard à paupières. Ouais, c'est du fard à paupières Kiko. Hop là. Je suis super contente parce qu'alors Kiko, c'est une marque que j'adore. Oh, franchement, le fard à paupières, regardez, il est magnifique. Oh, trop, trop canon. Oh, j'adore. Il est un petit peu... je sais pas si vous le verrez bien ici. Il est un petit peu marronné.
marron et rose. Je le kiffe, il est sublime. Merci beaucoup Betty avec elle m'a mis. Je présume que ça doit être sûrement un... ouais, c'est un rouge à lèvres. Alors hop, je le sors, packaging comme ceci. Oh là là, il est trop beau, regardez. Il est trop canon, quelle couleur. Oh là là, il va être magnifique. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop trop canon, vous voyez. Et oh là 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 là. J'aurais su, je me serais pas mis de rouge à lèvres et je l'aurais mis. Il est sublime. Est-ce que vous voyez cette couleur? Oh, je kiffe. Je kiffe. Il est trop canon. Il est menté. Hop, j'adore. Et pour finir, elle m'a mis un crayon à sourcils 2 en 1 de la marque Shiglam. Vous devez entendre sûrement les petits, je pense. Non, non, c'est pas ceux que j'avais testé. J'en avais déjà testé un, mais c'est pas celui-là. Donc ici, vous avez le pinceau et de l'autre côté vous avez ceci. Hop. Voilà la petite pointe que j'ai sortie et niveau couleur ça va être parfait, regardez, ça va être parfait, ça va être mat. Je suis trop contente, franchement ça fait trop plaisir. Merci beaucoup Betty. Bon, je vais laisser comme ça, franchement merci beaucoup. Je pense que demain je vais me maquiller avec pour les fêtes. Je pense. Et du coup, pour aujourd'hui, donc le 23, mon téléphone s'est éteint. Amélie Mello de cadeau, ça brille, ça sent bon. Donc c'est ceci. Une bougie peut-être. Amélie Mello de cadeau, ça brille et ça sent bon. Je pense une bougie, peut-être. Alors, c'est une boîte, déjà. Alors, du coup, c'est la boîte de Ava Aimée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est la bougie ou est-ce que... Non, 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 je suis trop contente. Regardez. Donc, du coup, vous avez une petite bougie. Oh, celle-ci. Ah si, je le sens plané. Oh, ça sent trop bon. C'est une Yankee Candle. C'est celle-ci. Ça sent, mais... Pff, une tuerie. Oh, oh là là, je vais la faire brûler. Je la referme même pas. Je vais la faire brûler directement après. Oh, elle sent, c'est au coton. Oh, j'adore. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Et avec, il y a plein de choses. Ici, il y a tout simplement... Alors, je pense que c'est des bracelets couleur argentée. Alors, je ne les mettrai pas aujourd'hui puisque là, j'ai du or. Mais je vais les mettre dans les prochains jours. Ouais, c'est des bracelets. Donc, hop, regardez. Vous a... Oh, j'ai fait tomber. Vous avez deux bracelets comme ceci. Vous avez ici un double bracelet. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment très, très, très canons. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Et pour terminer, hop, vous avez aussi... Ils sont vraiment très beaux. Celui-là aussi, j'adore. En chaîne comme ça, c'est des bracelets. Je kiffe. Et je pense que ça pourrait aller vraiment très, très bien avec la parure qu'elle m'a offerte, qui était couleur argentée. Elle m'a gâtée. Franchement, il y a plein, plein, plein de choses. Ici, alors je ne sais pas si c'est bracelet ou collier. Oh là 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 là. Elle me gâte, elle me gâte. Donc vous avez ce bracelet. Alors ici, comme ceci. Oh, magnifique, magnifique. Il y a celui-ci. Hop. Hop, si vous le mettez dans le bon sens, c'est mieux. Oh, trop canon, trop canon, trop canon. Vous avez celui-ci. Et pour terminer, vous avez celui-ci. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Et avec, regardez. Oh, elle est folle, je vous jure, elle est folle. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à la sortir? Hop. Nous avons une bombe. Elle est trop, 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 trop canon. Oh, regardez. J'adore. Elle est sublime. Alors, je suis désolée pour mon téléphone. Elle est vraiment magnifique. Franchement, Betty, t'es folle. Vraiment, t'es folle, folle, folle. Donc, vous allez me voir dans pas longtemps avec ces bijoux. Et franchement, là, je vais aller la mettre direct. Oh, elle sent trop bon. Vraiment, c'est une pépite. Merci, merci, merci beaucoup, Betty. Franchement, tu me gâtes. C'est un truc de fou. Bref, c'est dingue. Et pour demain, donc, je les trouve... Alors, je les trouve trop choupi pour la cuisine. Peut-être encore des pots, des petites choses comme ça. Une tasse.
des spatules, je ne sais pas, peut-être des pots, je ne sais pas. Il peut y avoir plein de choses, je les trouve trop choupi pour ta cuisine. Mais écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, franchement, les filles, vous m'avez gâté. Franchement, je vous en remercie. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un truc de malade, vraiment. Franchement, merci du fond du cœur. Je vous retrouve demain, puisque là, je vais aller ranger. Vous voyez, ça, c'est l'envers du décor. Il y en a de partout. Je vais aller ranger tout ça. Et puis, demain, promis, j'essaye de vous mettre deux vidéos. Donc, une le matin et une dans la journée pour ouvrir le 24. Et après, on se retrouvera le 25 quand le Père Noël sera passé. Moi, je vous fais des gros bisous. Et encore, désolée que ce matin, il n'y a pas eu de vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.